se faire défoncer par le Kassadin. Elle va se faire normalement défoncer par le Kassadin. Il a l'avantage. Lux n'a pas le droit à l'erreur. Lux va devoir instant Q le Kassadin après son flash, son R. Mais ça va être vraiment compliqué. Elle va vraiment se faire détruire. Du coup, je sais pas trop ce qu'elle va pouvoir acheter. À la top lane, c'est quoi? C'est Urgot. Urgot, c'est très très fort. Avec les nouvelles runes, je sais pas trop ce que ça fait. On va voir ce que ça donne. Il est contre un Gangplank. Alors, il le joue en mode Bankplank. C'est-à-dire qu'il va jouer avec Kleptomancie. On voit pas les runes, mais je suis sûr qu'il a, il a fait ça. On les voyait juste avant, désolé. Je me suis foiré. Du coup, il va avoir plein plein de gold via ce Kleptomancie. Ah oui, Bankplank de ouf, hein. Il prend ancien coin. La pièce ancienne. What the fuck? Ok, ça c'est. Ah, ok, d'accord. Il veut vraiment avoir masse thune. On va voir ce que ça donne. Ça peut être super intéressant. Du coup, jungle. Gragas contre Lee Sin. Donc, Gragas, normalement, il devrait partir tanky pour son passif. On le sait bien. Tous les Gragas qu'on a vus dans le coach abonné sont partis full AP la plupart. Et ça marche pas. Il faut vraiment partir. Gragas bien tanky. Il fait bien assez de dégâts sans être full AP. On est contre un Lee Sin. Oula. Ça déconnecte. C'est bon. Ça se reconnecte. Parfait. Contre un Lee Sin. Lee Sin, un champion jungle très fort, mais très dur mécaniquement, mine de rien. Surtout en mid-late game, tout réside dans tes mécaniques, du coup ça va être assez compliqué. Lux, Kassadin en a parlé. Botlane, on est avec un Jhin Taric. C'est bien, c'est une botlane assez standard. Par contre, Varus et Shaco support. Alors, Shaco support, normalement, voilà, les box ici, c'est pas ça qu'il faut faire en fait. Les box, en fait, faut les mettre là. Et en fait, la botlane va arriver ici. C'est pour ça que je voulais pas lui dire. Voilà, il n'en a posé qu'une. Le Taric, il fait bien. Il va check avant s'il y a des trucs. Vraiment, c'est bien ce qu'il fait, Taric. Parce qu'il se prend. Par contre, il devrait pas essayer de la tanker. Hein. Ouais. Là, il a perdu 30% pour rien. Bon, il a ward, c'est bien. Et en fait, c'est ça. Avec le cheese pour chaque support, tu mets toutes tes box ici. T'en mets genre une là. Et dès qu'ils arrivent comme ça, tu les engages, tu ignites et tu les tues. Mais ici, les box ne servent à rien en fait. Ça. Ils vont juste back, il y a des sbires qui les protègent, ça ne sert à rien. C'est pas très grave. Alors, donc à la top lane, il va normalement rien se passer. Ça va être un Bankplank qui va juste balancer ses Q. Ça va faire proc Kleptomancie. C'est comme le Q de Ezreal qui est compté comme une auto-attaque. Je rappelle que Kleptomancie, c'est une rune qui fait que quand vous lancez un sort, votre prochaine auto-attaque vous donne 5 gold plus potentiellement un consommable qui peut vous donner encore plus de gold, des points de vie, des trucs comme ça. Voyez, on voit l'icône de la Kleptomancie. Le Q de Lux plus le E qui a été proc, mais Kassadin réduit les dégâts magiques. Du coup, ça va être très compliqué pour la Lux. J'espère qu'elle joue avec Mana Flow. Quoique non, ça se joue pas Mana Flow, ça se joue avec les 10% de CDR. Du coup, on va voir comment ça se passe. Faut faire attention au niveau 2. On peut se prendre des gros trades. Shaco qui met ses box dans les buissons, mais bon, ils sont pas cons en face. Ils vont pas aller dans les buissons, évidemment. Je rappelle que Toucan a des problèmes de micro. Il va peut-être nous rejoindre plus tard s'il y arrive. Putain, mais il est en train de ramasser des golds de ouf, hein! Il a déjà 100 golds de plus que le Urgot déjà. Alors qu'il a moins de CS. C'est hallucinant. C'est hallucinant, ça va être trop bien. Cette maîtrise. Avec. Ah, par contre. Oh là là, le Lee Sin qui arrive! Par contre, mourir contre un Gangplank qui ramasse autant de golds, ce serait vraiment la pire des catastrophes. Le E flash de la part de Gragas qui va pas follow, qui voulait vraiment juste mettre de la pression et faire fuir son coéquipier et le sauver. Voilà, ça va faire proc avec les minions. Alors, oh là là, regardez tous les consumables qu'il a eu. Gangplank qui vient d'avoir un élixir. Il a 400 gold de plus. Il a 400 gold de plus. Non mais c'est hallucinant. C'est hallucinant. C'est pour ça qu'en fait, c'est complètement fumé. Ezreal aussi. Ah non mais il est mort. Gragas est mort. Il a utilisé son flash à la top lane il y a moins de 5 minutes. Du coup, il veut pas l'avoir. À la bot lane, attention, la box qui fait mal, mine de rien, son taf. On a un ultime de Gangplank qui va aider à tuer l'équipe bleue. Mais attention, un Taric, c'est ultra tanky, ça, vraiment, ça donne beaucoup de soins. Le heal qui n'est pas assez suffisant pour survivre, mais on va prendre Lee Sin dans la tombe avec nous. La Lux qui décale. Oh, le E qui passe, la comète qui passe. Le Q qui va passer, non, le flash, et on rate l'ulti, dommage. Ça va être le Q instant. Et le gros problème, c'est que... bah, il aura la Banshee. Donc, on va voir. En termes de gold, de CS... Tout va bien, il y a 10 CS d'avance pour le Varus qui part vitesse d'attaque avec un petit peu d'AD. Le stun de Taric qui ne fonctionnera pas. Le gank de Lee Sin, le Q qui a été posé sur le Kassadin. On va pas réussir le kick pour Lee Sin.
Mais elle, elle a du flash. Ah, c'est ça, elle a flash, là, vu que c'est pour ça. Oh, putain, non, mais il est bientôt à 1000 gold d'avance, le Gangplank. Est-ce que vous vous rendez compte du délire que c'est la rune Kleptomancie? C'est hallucinant. Je vais aller voir combien ça lui a donné, ça. Ça lui a donné 250 gold, l'ancien. La pièce ancienne. Ouais, la Luce qui se protège vraiment très très bien. Le Cassadin qui a du flash, c'est ma. Oh non, c'est trop dommage. Fallait vraiment sécure le kill ici. Oh non, il faut sécure le kill contre Cassadin. Gragas, si tu prends le kill, c'est pas grave. Même si c'est intéressant d'avoir le kill sur Luke, c'est pas très très grave. Oh, ça va être horrible. Ok, on a fait l'ultime pour Taric, mais ça suffira pas. Il y a la box qui a vraiment bien fire. Le clone de Shaco qui met des dégâts. Le Lee Sin qui va placer son Q. Le Lee Sin qui va trop loin là. Il y a une tour qui fait pas mal de dégâts. On donne un kill un petit peu gratuitement, malheureusement. Ça va être chaud. Ça va être chaud. Donc je rappelle que. Putain. Je rappelle que GP joue avec. Wow. Mais attends, mais le GP il a presque 2000 gold d'avance là. Wow! Il a 150 milliards de gold. C'est full bugué. Non mais c'est pas possible. Il a bientôt 2000 gold de plus. Mais c'est complètement fumé. Il a déjà sa trinité à 10 minutes de jeu. Mais c'est bugué, le jeu est bugué. Oh oui, bien joué la Lux. La Lux qui se débrouille vraiment bien. Non mais c'est hallucinant hein. C'est hallucinant le Gangplank là. Je ne comprends pas pourquoi le cast n'utilise pas son R pour dodge les Q de Lux. Bah normalement t'es pas censé t'es censé R pour agresser. Et en plus il arrive à tuer. Mais en fait, c'est à dire que la rune Kleptomancie ne va pas augmenter tes dégâts. Sauf si tu, comment dire, si tu as des consommables qui te les donnent, des élixirs de dégâts. Mais c'est à dire que ça va tellement te donner d'argent que tu vas avoir une trinité. Regardez moi la différence de stuff entre GP et GP en plus qui a 2000 gold sur lui hein. Il va avoir deux objets. Urgot n'a même pas un objet. Il peut rien faire le Urgot. Là on assiste à un Gangplank qui est en train de solo win la game hein. C'est un délire. Parce qu'il va juste speed push le GP. L'équipe bleue ne va jamais pouvoir groupe alors qu'ils ont une très bonne équipe pour groupe. Oh, ça va être chaud. Mais là c'est complètement hallucinant quoi. C'est hallucinant. Le Lee Sin qui se donne complètement. Le Lee Sin, il faut vraiment qu'il laisse le Gangplank tout seul faire son taf. Ça sert. Là, le Lee Sin qui va sur une lane qui est déjà gagnée et qui fait en sorte qu'elle soit plus gagnable en fait. Le E flash qui a été plutôt bien mis de Gragas mais qui va rater son ultime. Qui va pas pouvoir amener des gens. Le Q de Gangplank qui a été plutôt pas mal. Le. Comment dire? Comment ça s'appelle? Le Sterak de Gangplank qui va peut-être le sauver. Qui lui a permis au moins de faire un Q sur le Jin qui lui a donné 330 gold et qui va pouvoir encore plus snowball. Mais on a peut-être un shutdown. Non, de kill, c'est même pas un shutdown en fait. Ah si, 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 excusez-moi. Si, il a eu 150 gold quand même. En plus pour le Jin sur le Gangplank. Et bah le Gangplank qui a maintenant 8165 gold alors que l'Urgot n'a pas encore 5000 gold. On est sur. C'est violent. C'est très violent ce qui se passe. Est-ce que la Lux a son ultime? Elle a son ultime, mais elle pourra rien faire, je pense. Oh, attention! Aïe, 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 aïe. Le clone qui a fait beaucoup de dégâts vu qu'il était AP. Le Shaco est AP. Ça fait mal. Ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. Tu me conseilles quel rôle pour monter? Le rôle dont tu te sens le plus à l'aise. La Luce qui va mourir, son Zonia qui ne va pas l'aider. Là, on assiste à du snowball. C'est-à-dire que même si la composition d'équipe bleue est meilleure, vraiment meilleure, c'est du snowball style solo queue. Là, le Gangplank devrait continuer à juste speed push top et à laisser son équipe faire des choses à la botlane. Vu que Gangplank peut 1v1 n'importe qui. Quoique le Urgot se défend vraiment bien. Et ça me paraît bizarre en fait que le Urgot arrive à prendre des 1v1 sur Gangplank. Ou en tout cas le mettre mal. Alors, Taric Afk. Ah oui, d'accord, il y a un mec Afk. Ah, c'est pour ça. C'est Discord qui a bug. Oko a mis en pause. Non, non, c'est pas moi qui mets en pause. Mais vous pouvez mettre slash pause, les gars, pour ça. Et bah, petite pause, les gars. Je vais aller voir sur Discord ce que ça donne. Je vais aller voir ce qui se passe dans le. Ah, mon Discord, il bug. Les serveurs sont indisponibles pour le moment.
D'accord. D'accord, ok. Ceux qui peuvent voir s'il y a d'autres serveurs qui bug. Moi, je suis sur deux serveurs et les deux serveurs déconnent. Aïe, aïe, aïe. Après, lui, il a carrément déco, le mec. Hein. Attends, je remets. Ouais, mais Tariq a déco à cause du Discord, parce qu'il voulait pas jouer sans Discord, ou... Ouais, le Discord, je pense qu'ils sont sur une petite mise à jour, là. Je rappelle que Discord, ils testent plein de trucs, ils font plein d'ajouts, du coup, des fois, ça bug. Pour le casque de tout quoi. Merci, everything. Je lui ferai part. Comme quoi, Discord, pas encore au point. Ouais, ça mettra du temps. Je pense que je peux pas leur parler en plus. Ouais, je peux pas écrire dans le chat. Dommage. Je vais regarder, ouais, le Discord qui bug. On va voir comment ça se passe. Petite pause, les gars. Sur Twitter, qu'est-ce qu'ils nous disent, Discord, là? Qu'est-ce qu'ils nous disent? Ok, ils savent qu'il y a un petit problème. Ils sont en train de travailler dessus sur le Discord, pas de souci. Ça marche. Pour pouvoir te dire que j'ai faim, bah bravo. Attends, je vais en profiter pour unban des gens. Comment je fais pour unban en plus? Comme ça, voilà, ça marche. Désolé, il y avait trop de messages, j'étais occupé. Hein. Tu me pardonneras. Oh, la game est revenue, excusez-moi. Let's go, est-ce que Tariq est là? Ah non, ils ont remis la pause et Tariq est encore AFK? C'est pas ouf ça. Qu'est-ce qui se passe? Prends la game alors que Tariq est encore AFK? Le Lee Sin qui joue avec le feu et qui va se faire Q. Bon, en vrai, que Tariq soit AFK ou pas, GP a tellement snowball que c'était perdu. Mais j'avoue, c'est ma faute aussi parce que j'ai oublié de dire aux gens que il fallait que, comment dire, qu'ils aient une heure devant eux, que leur connexion soit bonne. J'ai oublié de préciser ça. Du coup, il y a des gens qui jouent avec 2000 MS qui s'en foutent complètement. Donc, my bad. Donc, je pense que le Tariq ne va pas revenir. Du coup, je pense que pour demain, je vais faire un petit montage, un petit highlight best-of. De la game, parce que ça n'a pas beaucoup d'intérêt. La game ralentit. Ils auraient pu finir il y a 10 minutes, là, l'équipe rouge. Voilà, ça s'insulte dans le chat. On est vraiment dans une bonne communauté de LoL. Déjà que ça a été long à mettre. Non, non, après, il faut que je m'occupe. De faire le montage, je dois faire un best-of. Tout quand il faut qu'on fasse l'annonce. Allez, GG! Voilà, c'était une super game, bravo! Coupure d'électricité pour le Tariq, RIP! Et du coup, voilà, c'était un petit best-of. J'ai mis en at-light parce que c'était pas très très intéressant. En tout cas, c'était vraiment intéressant pour le GP en mode Bank Plank où il a gagné énormément de gold. Je pense que c'est ça qui va être le plus intéressant. Et puis, c'est ça. Assurez-vous d'avoir un bon micro, une bonne connexion et du temps libre, et c'est parfait. Du coup, à plus le stream, c'était le coach abonné de la semaine. Rendez-vous sur Discord, donc point d'exclamation Discord pour avoir le lien, sinon il y a le bouton en bas. Et on se rejoint tout de suite sur Discord. À plus les gens, bonne soirée, bye!